Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais un swap. Ça fait très longtemps que Sissi Vivi me proposait de faire un swap et à chaque fois, je ne pouvais pas. Et du coup, on s'y est mises toutes les deux. Donc, je vous montre le paquet que j'ai reçu, qui est énorme. Voilà. Et donc, écoutez, moi, je suis super contente d'avoir fait ce swap avec elle. Je vais l'ouvrir. Donc je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Je suis très contente en fait de faire ce swap avec Sissi. Ça me fait vraiment très plaisir. J'ai pas encore envoyé son colis puisque je voulais attendre le début des soldes qui demain. C'est demain. Hein. Aujourd'hui nous sommes mardi 21 juin. Donc je voulais terminer mes petits achats. En allant chez Sephora là demain et donc je vais lui envoyer le colis, mais je vais faire cette vidéo et puis j'attendrai qu'elle la mette en ligne, comme ça on sera nickel. Mais je pouvais pas garder le carton comme ça là, c'était pas possible. Donc nous avons décidé de pas mettre de papier cadeau parce que parce que sinon ça prend trop de temps et puis voilà. Donc je vais ouvrir le paquet avec un ciseau si j'en trouve un. Alors, j'ai ma Lilou qui est à côté de moi et je me demandais pourquoi elle n'arrête pas de couiner depuis tout à l'heure. Et en fait, elle vient de voir le carton et elle croit que c'est une ouf box. Et ben non, c'est pas pour toi cette fois-ci. Parce que j'ai fait une vidéo ouf box la semaine dernière et ils ont adoré. Et là, du coup, elle pense que c'est encore une ouf box. Donc, elle m'a envoyé un énorme carton. C'est très bien emballé. Ça, franchement, c'est super bien emballé. Je suis contente. Et elle m'a mis un petit mot. Parce qu'elle m'envoie un petit mot. Et c'est vrai qu'on s'est envoyé des petits messages. Et elle avait beaucoup de mal à... Elle avait eu vraiment beaucoup de mal à faire ce swap avec moi. Parce que à chaque fois qu'elle décidait de choisir un produit, je l'avais déjà acheté. Donc, elle était hyper embêtée. Elle était hyper embêtée. Donc, elle m'a demandé aussi si j'étais d'accord pour qu'elle puisse mettre des produits qu'elle avait déjà utilisés. Et je lui ai dit bien sûr oui, il n'y a pas de problème. Donc, on a aussi chacun décidé de mettre une telle somme, une somme. Et bon, moi j'ai un petit peu dépassé, mais ça c'est mon choix. On a décidé de se faire plaisir toutes les deux. Et moi j'espère que mon colis lui fera plaisir. Attendez, je vais quand même regarder cette petite lettre. Je suis très heureuse d'avoir fait ce swap avec toi. Bah oui. Moi aussi, j'espère qu'on se verra un jour. Je te fais un gros bisou. Merci beaucoup pour ta petite carte. Alors, j'attaque tout de suite ce petit emballage. Je me demande si je n'ai pas récupéré ton carton pour mettre tous les produits. Donc, on va commencer. On va déjà commencer par le carton, par le petit sac blanc dont elle parlait, la clinique. Elle a très très bien emballé tout ça, c'est super. Donc. Ça, c'est du thé blanc, un petit thé blanc. Voilà, ça, ce sont des produits, je crois, qui sont dans les thé box, qui est bio, donc c'est super. Une fleur de douche, ben, ça tombe bien parce que la mienne, elle est toute animée, je l'ai depuis un petit moment, donc super, génial. Du thé, et oui, parce que je lui demandais si elle aimait le thé. Tarte citron, herbe patate. Thé vert citron, un thé vert au citron, ça c'est super. Alors moi je bois pas de thé parce que je bois en fait que des tisanes, des produits où il n'y a pas de théine, mais c'est pas grave, hein, mon mari, mes amis pourront boire sans problème, c'est super gentil. Donc encore un petit thé vert. Ça, c'est aucun problème, c'est avec plaisir. De toute façon, ça se boit, ça. Thé rouge d'Afrique, relaxant, apaisant. Alors ça, si c'est relaxant, apaisant, Herbeta. Je ne connaissais pas cette marque, thé rouge d'Afrique. Ça se présente comme ça, il faut que je vous le montre quand même. Thé discount.com. Ah, c'est en fait, il n'y a pas de théine dedans. Ah, je viens de remarquer. Le meilleur du thé et du café. Donc, ça, c'est vraiment du thé. Donc, celui-là, je ne pourrais pas le boire. Par contre, celui-là, c'est une infusion. Donc, celui-là, je vais pouvoir le boire sans problème.
Voilà, il n'y a pas de théine dedans, c'est génial. Et puis ça sent super bon, hein. Je peux apprécier ça. Fruits rouges d'Afrique, relaxant, ben ça. Et ça sent caramel en plus, c'est super bien. Voilà, donc super, du thé. Moi j'en bois tous les jours, hein. Voilà. Je vais la remettre dans le petit sac et je vais mettre à côté. Merci Sissi, c'est super gentil. Alors, en plus, elle m'a tout mis dans des petites boîtes, donc c'est hyper pratique pour... Donc voilà, une jolie petite boîte comme ça, qui est super belle. Ça, c'est cette petite boîte de Glossy Box. Super, très jolie petite boîte. Oula! C'est bien emballé. Elle n'a pas tout mis en frac. Super. J'aime bien ce petit emballage, c'est très joli. Alors, on va attaquer. Ben voilà, elle a trouvé plein de choses, elle se demandait, elle savait pas quoi m'acheter, et ben là, elle a bien trouvé. Donc c'est du gel semi-permanent, je pense. Ouais, c'est du gel pour les lampes UV. Je vais prendre mes lunettes, je reviens. Voilà, je chausse mes lunettes, comme ça je pourrai mieux lire. Alors, donc c'est un très joli vernis pour les lampes LED, qui se présente comme ça. Et la couleur, c'est une couleur assez foncée, une couleur prune. Que je ne connais pas, donc que je testerai avec plaisir. Là pour l'instant j'arrête un petit peu parce que j'ai eu des soucis avec un gel que j'avais acheté sur Amazon, et donc là je me suis un peu calmée, mais je recommencerai dans pas longtemps. Je laisse un petit peu reposer mes ongles. Elle m'a offert un très beau vernis aussi de Peggy Sage Rosy Nude, qui se présente comme ça, qui est super joli. Voilà comment il se présente. C'est super. J'aime beaucoup. Je trouve que c'est vraiment des produits d'excellente qualité, les vernis de Peggy Sage. Ils sont vraiment... Les vernis pour ce jeu, c'est des vernis semi-permanents. Ils sont vraiment de très très bonne qualité. J'aime beaucoup. Ensuite, elle m'a mis... Alors là, c'est quelque chose que je voulais tester depuis longtemps. Et comme elle ne savait pas quoi me prendre, je lui ai dit, pourquoi prends-moi des produits de comment ça s'appelle? C'est des produits de Makeup Revolution. Et je trouve ces petits packaging magnifiques. Donc c'est un petit rouge à lèvres qui se présente comme ça. Je trouve que le packaging est très beau. Rose gold. J'ai ma caméra qui est en train de... C'est un très joli rouge à lèvres rose gold de Makeup Revolution. Et là, c'est la teinte Red. Et alors, je crois que ce sont des rouges à lèvres mat. Voilà la couleur. Bon, après, je vais peut-être pas vous faire des swatchs pour tout. Je le mettrai. C'est pas. Ils ne sont pas. J'avais déjà mis du rouge à lèvres dessous, donc. Ouais, donc c'est parce que j'ai déjà du rouge à lèvres dessous. Mais la couleur est très très belle. Voilà. Donc, un petit rouge à lèvres rose gold. Un petit rouge à lèvres de Makeup Revolution, je crois que c'est ça la marque. Ensuite, de Too Faced, elle m'a mis un très joli blush de Too Faced. Oh, mais j'ai ma caméra qui fait des siennes. Très joli. Alors, j'en ai un de Too Faced, j'espère que c'est pas le même. Je vais pas vérifier tout de suite, je crois pas que ce soit le même. Le mien, c'est plutôt un couleur... J'en ai qu'un, de toute façon, de cette gamme. Alors là, j'adore ces blushs. Enfin, c'est pas un rouge à lèvres, c'est un blush. Non, mais je l'ai pas, celui-là. C'est un rose. Il est trop, trop beau. Superbe. Il se présente comme ça. Je m'approche pas trop de ma caméra parce que j'ai l'impression qu'elle est floue. Ouais. Le blush est magnifique. J'aime beaucoup. Et là, c'est la teinte... Oh, Deep is Your Love. Voilà, très très joli. Oh là, j'adore, j'aime beaucoup ces blushs de Too Faced, ils sont magnifiques. Merci beaucoup, c'est super gentil. Merci, ça me plaît beaucoup. Ensuite, de Vita Liberata, sérum anti-âge auto-bronzant. Waouh, super. Elle m'a mis des beaux produits, elle est trop mignonne. Moi, Vita Liberata, je suis vraiment fan de leurs produits auto-bronzants. Donc, c'est vrai que tous les ans, j'achète donc sérum anti-âge super que je ne connaissais pas, enfin, que j'ai jamais essayé. C'est génial.
Alors, un petit sérum de Vita Liberata anti-âge sérum auto-bronzant. Ça, c'est génial. Voilà. Donc, je suis très contente. J'adore ces produits de Vita Liberata. J'aime énormément ces produits. Ça fait très plaisir. Merci, Sissi. C'est super gentil. Voilà. Ensuite, je vais enlever le petit. Oulala. Elle m'a offert une très belle palette de Make Up Révolution. Alors ça c'est pareil, c'est des produits que j'ai jamais achetés. Donc je suis super contente de pouvoir les tester parce qu'on m'en dit tellement du bien sur internet que j'ai failli passer la commande, mais comme elle était vraiment embêtée, je lui ai dit écoute, passe une petite commande sur le site. Comme ça, ouais, et les couleurs sont superbes. Donc vous avez des orangés en haut et puis des neutres, des couleurs neutres en bas. Donc je vous ferai une vidéo, un tuto avec plaisir avec cette palette. Bon, je ne vais pas toucher tout de suite parce que sinon je vais en avoir plein les doigts. Mais donc c'est une très belle palette de Make Up Révolution que je testerai avec grand plaisir. Donc je vous montre. Voilà. Super. Merci. Alors là, génial. Ensuite, de Clarins, booster détox dégrise le teint. Alors ça aussi c'est un produit que je... Ah, ce sont les nouveaux produits de... Ah, c'est super ça aussi. J'ai failli l'acheter, mais bon, j'ai dit... C'est les nouveaux petits produits de chez Clarins. Oh là là, ça me fait super plaisir qu'ils se présentent comme ça. Je les voyais... En fait, il y a trois sortes de produits, trois ou quatre, je crois. Il y en a un pour le détox, enfin, il y en a plusieurs de Clarins. Et j'avais trop envie d'y tester aussi ça. C'est super. Je suis très contente. Merci beaucoup, Cici. Eh ben, dis donc, tu m'as bien gâtée là. Donc là, pour l'instant, c'est un sans faute. Super. Alors là, je suis très contente. Les vernis sont super jolis. Ma petite palette de Too Faced, elle est très très belle. J'adore. Vraiment, super. Alors, attends. Je vais prendre l'autre paquet. Il y a un autre carton, une autre petite boîte. Elle m'a mis une autre boîte qui se présente comme ça, qui est toujours aussi belle. Et je crois que les boîtes, je vais les garder parce que ça sert toujours. Très jolie. Très belle boîte. Alors, qui est pleine aussi. Alors, allons-y. Elle m'a mis des petits masques réhydratants de Sephora. Alors ces masques, je les ai encore. C'est des masques? Oui, masques réhydratants de Sephora. Bah écoutez, je suis contente parce que je m'en suis jamais servie. J'ai jamais testé ces masques. C'est des trucs. Alors, masques hydratants de Sephora. Je les ai jamais, j'en ai jamais utilisé. Donc très bien, je vais pouvoir les découvrir. Et super, merci beaucoup Cici. Elle m'a mis un très beau de la marque Essie, un vernis à ongles qui est transparent. Ben ça tombe bien parce que comme j'ai pas mis de vernis encore aujourd'hui, je mets plutôt des trucs. Oui, c'est un petit vernis transparent qui se présente comme ça. Et là, c'est la teinte Mademoiselle 384. C'est un petit vernis, mais qui reste très discret. Ça fait juste briller les ongles. C'est très sympa. Voilà, de ici. Elle m'a mis de Clinique un vrai vernis différent pour les peaux sensibles. En teinte 04. La couleur est magnifique aussi. J'en ai déjà acheté quelques-uns de chez Clinique. Ils sont tous très beaux. Ils ont une bonne tenue. Ils sont très très beaux. Donc là, c'est la teinte 04. Un rose pour l'été, c'est exactement la couleur idéale. Super. Merci, Sissi. Super. Moi, je suis fan des vernis en plus, elle le sait. Elle m'a mis un autre vernis. Violette Coquette. Cette fois-ci, c'est de Lancôme. La couleur est trop belle. Comme ça. Elle est très 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 jolie. Je pense que c'est ceux-là aussi, je les aime beaucoup. Je les ai en plusieurs. J'en ai plusieurs derrière là. Pareil, ils sont très jolis. J'aime beaucoup leur packaging. Ils sont magnifiques.
La couleur est très très belle. C'est très 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 joli. J'adore ce packaging. J'aime beaucoup les petits vernis de Lancôme, comme ça, ils sont très beaux. Et franchement aussi, là, voilà. Et puis la petite brosse, elle est assez grosse, vous voyez. Elle est parfaite. J'aime beaucoup. Je pense que c'est celui que je vais mettre aujourd'hui. Parce qu'il fait toujours pas. Ils ont prévu 22 degrés pour demain, 32 degrés demain. Et on va passer vraiment du coq à l'âne. Et puis elle m'a mis une petite boîte. Celle-là, j'avais aussi reçu ma T-Box. Je l'avais aussi. Je pense que dedans, il y a des vernis. Ouais, des vernis. Un de OPI qui est superbe. Qui est un petit peu métallique, vous voyez. Il a des reflets holographiques. Et c'est la teinte couleur Giva of Geneva. Diva of Geneva. Je ne vais pas pouvoir vous l'approcher parce que il est superbe. Très 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 beau. Magnifique, hein, vraiment. Et un autre, alors là, de Marionneau, que je ne connais pas. La couleur est très belle aussi. Et là, c'est le numéro 56, Bordeaux Couture. Pareil, le packaging est très joli. J'aime beaucoup. Voilà, bah écoutez, je vais avoir plein de petits vernis à tester. C'est super, je suis contente. Génial, c'est ça ces petites boîtes, vous voyez. Bon, si je vais garder la mienne, je vais garder celle-là aussi. Là, j'ai une autre palette de Make-up Révolution. Voilà, une autre palette de Make-up Révolution. Waouh, super jolie aussi. Elle se présente comme ça. Je vais essayer de l'ouvrir. Et ben, ma petite Cécile, tu m'as. Oula, j'ai failli faire tomber ma caméra. Tu m'as bien gâtée. J'ai pas l'habitude de recevoir autant de cadeaux à la fin. Ça fait tout bizarre. Oh là là, les couleurs. Regardez les couleurs. Vous voyez? Elles sont super belles. Faites voir. Celle-là, là. C'est un beau doré. Très, très, très joli. Et le bleu, là. Je connais pas du tout ces fards. Donc, je suis vraiment contente de pouvoir les tester. Bon, ben c'est pareil, hein, je ferai des petites vidéos avec. Hein. Super joli. Magnifique, j'adore. Merci beaucoup, Cici, vraiment. Pour l'instant, merci. Hein, c'est super gentil, ça me fait vraiment très, très, très plaisir. Et puis voilà, ton petit paquet, ma petite boîte. J'en ai partout sur mon bureau. J'en ai vraiment partout. Hop, donc, c'est vrai que c'est bien emballé. Et puis, un autre carton de Sephora cette fois-ci, qui est lourd, qui se présente comme ça. Voilà, il est bien lourd celui-là aussi. Ma caméra fait encore des siennes. Alors, toujours encore très très bien emballé. Des masques, elle sait que je suis vraiment fan des masques. Donc là, elle m'a offert des masques que je ne connais pas. Ça se présente comme ça. Je pense que c'est des masques coréens. En tissu. Dedans, il y a du tissu, donc je suis contente de tester. Il y en a un autre qui est aux algues. Voilà, qui se présente comme ça. De la marque Marianne Hop. Je ne connais pas du tout. Et celui-là, Etude House, ça je connais, hein, j'en ai déjà acheté, ils sont très très bien à l'aloe vera. Et un autre masque à l'olive. Présente comme ça. Voilà. Donc ça, elle sait que je suis fan d'un autre masque à l'acide hyaluronique. L'acide hyaluronique. Voilà. Moi, je suis fan, 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 fan de tous les masques. J'en ai partout dans mon frigo, là. J'adore ça. Je trouve ça vraiment. J'adore me faire des masques. Ensuite, elle m'a offert coton blanc et lisse rose. Ça, je pense que c'est une crème pour le corps. Sheer Love, que je ne connais pas. Victoria's Secret, et c'est une crème de Victoria's Secret. Il me semblait que c'était ça, vu le packaging. Et donc, c'est à la rose. Coton blanc et lisse rose. Ah, ça, je vais bien aimer, je pense. Ça sent trop bon.
Ça sent très 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 bon. J'adore. Je sais pas si l'odeur va rester par contre. Ça hydrate bien le corps. Ça sent très très bon. J'aime beaucoup. Merci, si. Super. Merci. Donc, de Victoria's Secret. Eh ben, dis donc, hein. J'ai jamais testé les baumes comme ça pour le corps de cette gamme de Victoria's Secret. Ça hydrate bien les mains en plus, c'est super. Merci Sissi. Ensuite, Oral-B. Je crois que c'est son dentifrice préféré. Qui se présente comme ça. Hein, c'est ça Sissi, hein. C'est ton petit dentifrice préféré. Dentifrice sensible. C'est celui que j'utilise aussi à la maison, hein. Il est très très bien. Ma fille, c'est celui qu'elle préfère aussi. Et moi, je le retrouve, je crois, enfin, je pense que c'est le même. Convient et soulage rapidement la sensibilité dentaire. Donc, super. Je refais du stock. C'est gentil. Merci, si, d'avoir pensé à mes dents. Génial. Ensuite, un autre petit tube. Macadamia Oil, de l'huile de macadamia, traitement à l'huile de noix. Alors ça c'est pareil, j'ai jamais testé cette marque. Alors Macadamia Oil, donc c'est une huile traitement à l'huile de noix. Alors ça c'est pareil, je ne connaissais pas, donc ça se présente comme ça. Macadamia, j'ai entendu parler plusieurs fois de cette marque, j'en ai entendu beaucoup bien, et l'huile de. C'est de l'huile de. Ouais, l'huile de noix. Ça sent pas la noix de coco, mais ça c'est très bien pour nourrir les cheveux. Donc je suis super contente de le tester aussi. L'huile de macadamia, tout le monde en dit du bien aussi et je suis super contente de pouvoir le tester. C'est Noël avant l'heure. Super. J'ai pas envie de terminer cette vidéo. Oh. Ensuite. De Laura Mercier, une brume huile sèche pour le corps, infusion verte. Et ben, de Laura Mercier, dis donc, et ben, donc ça se présente comme ça. J'adore Laura Mercier, donc ça se présente comme ça. Le packaging se présente comme ça. Vraiment, elle est folle. Brune huile sèche pour le corps. Infusion verveine. Ça va sentir super bon. J'arrive pas à. J'ai le maquillage. J'arrive pas à l'ouvrir. C'est pas grave. Je le testerai plus tard. Ah, ça y est. Ça sent super bon. C'est une huile sèche pour le corps, mais ça sent. Ouais, ça sent le thé. C'est une odeur citronnée. Ah, oh, ça sent très très bon. J'adore cette odeur. Eh ben, mettez folle ma chérie. Ça sent. Oh, ça sent merveilleusement bon. J'adore cette odeur. Je connaissais pas cette brume de Laura Mercier. C'est un pur bonheur. Je crois que. C'est très très agréable. J'adore cette odeur. C'est citronné, c'est hyper agréable. J'adore vraiment. C'est exactement le truc. C'est exactement le genre de produit que j'aime utiliser tout de suite. Même les parfums, là tout de suite, j'utilise des parfums mes parfums d'Atelier Cologne. Et ils sont justement, ils sentent les agrumes et j'adore tout de suite porter ces odeurs. Super bon. Là, je vois des produits de la marque Too Faced. Je crois que c'est ça. Dream Cruiser Chiffon. Waouh! C'est un petit chiffon, je crois. C'est pas de Too Faced. C'est de quelle marque? C'est des petits chiffons que ça se présente comme ça. Dis-moi où est-ce que tu les as achetés. On dirait le packaging de Too Faced. Pas de Too Faced, de Benefit, je suis bête. C'est des petites chiffonnettes comme ça pour nettoyer le visage, c'est génial. J'adore ça. Je me nettoie qu'avec des petites. Moi j'ai ceux de la marque. Comment ça s'appelle? Le Ganglo,
Voilà, je me sers tout le temps de ce gant pour nettoyer le visage. Mais là, je ne connaissais pas du tout ces produits-là. Et ça se lave à 40 degrés, donc génial. Lingette durable. Chiffon nettoyant en profondeur. C'est super. J'adore. Merci. Alors là, franchement, merci. Je suis très contente de tout ça, vraiment. Oh là là, j'adore. J'adore, j'adore. J'espère que tu vas être aussi contente de tes petits cadeaux parce que Makeup Révolution, une autre petite palette qui se présente comme ça. Alors, petite palette. Donc, oula, c'est pareil, c'est un bronzer qui est irisé, qui est, je pense que pour l'été, c'est un peu assez doré. Et, c'est un petit bronzer en fait, qui est très 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 joli. Ah ben, comme ça, moi je vais pouvoir faire une belle vidéo sur. Et est-ce qu'il y a la teinte Glow? C'est la teinte Glow. Voilà. Très sympa, vraiment très joli. Je ne sais pas si vous allez voir. S'il y a un petit peu quand même, vous voyez. Et c'est assez lumineux, vous voyez, c'est assez glowy, c'est super joli. Très beau. Magnifique. Il y a même une petite glace. Donc c'est parfait. Super. Merci beaucoup, Cici. Merci. Une autre petite palette. Je ne connais pas non plus ces produits. Hop, je pense que c'est pour les sourcils. Ouais, c'est un kit à sourcils. Et super aussi. Vous avez le petit pinceau biseauté pour les sourcils qui se présente comme ça. Et là, vous avez plusieurs teintes, 4 teintes. Donc, c'est génial pour travailler les sourcils. Super. La pigmentation. Ouais, ça a l'air bien pigmenté, c'est super. Voilà. Et la marque, je ne la connaissais pas non plus. Hein. Je vous montre le packaging. Je ne connaissais pas ce produit non plus. Ben voilà, tu vois que tu as réussi à trouver des choses que je ne connais pas. C'est génial. Merci, Cici. Super. T'es adorable. Merci beaucoup. Tu m'as bien gâté là, dis donc. Et un dernier produit. Toujours de Laura Mercier. Et infusion. Alors, si c'est la même odeur que. C'est pour le corps. Si c'est la même odeur que l'huile pour le corps, alors là. Oh là là. Oh là là, ça sent. Le pot est magnifique. Je ne vais jamais oser l'utiliser, ça sent tellement bon. C'est un gommage. Aux agrumes, ça sent pareil que... Oh là là, c'est un pur bonheur. Merci, merci, parce que... Oh là là, comme ça sent bon. Ça sent vraiment... ça sent le citron, ça sent vraiment les agrumes. C'est super agréable. Et les grains sont vraiment, vraiment gros. Donc là, pour se faire un gommage, c'est nickel. J'aime beaucoup cette odeur, j'adore ces odeurs, j'aime énormément ces odeurs d'agrumes, c'est un pur plaisir. Oh là là, j'ai hâte de m'en servir, c'est de Laura Mercier. Très très joli cadeau en tout cas, franchement tu m'as bien gâté Cici, hein. Merci beaucoup, merci, merci, merci. Voilà, donc après le petit sac blanc, j'en ai partout sur mon bureau. Où je vais le mettre. Je vais le mettre là. Et puis il reste un petit sac blanc qui se présente comme ça, qui est tout joli, que je vais garder aussi. Très joli. Et puis dedans, je pense que ce qu'elle m'a mis, deux garlins qui se présentent comme ça. Et ben, un bronzer aussi. Avec la petite pochette. J'en avais eu une comme ça il y a quelques temps. Et franchement, c'est trop beau. Ça se présente comme ça. Donc voilà, ça c'est son... Elle m'avait dit, elle m'a demandé si je voulais, si j'acceptais de recevoir des produits qu'elle avait déjà testés. Et je lui dis bien sûr, il n'y a pas de problème. Et ça, c'est un produit que j'avais il y a quelques années, il y a un petit moment. Et que j'avais beaucoup aimé, j'ai utilisé très très joli, de Guerlain. De toute façon, avec le petit packaging qui est aimanté comme ça, puis la petite pochette, nickel, bravo. Merci Cici. Là, je vais m'éclater hein, avec tout ça. Ensuite, elle m'a mis de Giorgio Armani un fond de teint soyeux.
J'ai jamais testé les fonds de teint de Giorgio Armani. Ça se présente comme ça. Je connais pas ces produits. J'ai failli en acheter, mais c'est une marque que je trouve très très belle. Mais comme j'ai pas de produits de cette marque à la maison, la teinte, alors, elle est un peu claire pour tout de suite, mais parce que j'ai mis de l'autobronzant, vous voyez. Mais je pense que c'est une teinte qui m'ira très très bien. Je pense qu'on a la même teinte de peau en fait avec Sissi. Ah, j'ai mon nez qui me gratte. Ouais, hélas. Oui. C'est un petit peu clair, mais comme j'ai le produit de Body Shop pour foncer un petit peu les fonds de teint, je pense que ça ira. Ouais, ça se voit pas. Voilà. Et ben là, par contre, je suis contente de tester parce qu'en plus, ça pourrait me donner une référence pour pouvoir commander s'il me plaît sur internet, parce que moi un fond de teint je ne commande pas sur internet hein, sans connaître ma teinte, s'il est hors de question que. Et ouais, là je suis vraiment merci à Cécile, merci, je suis super contente de pouvoir tester ce fond de teint. En plus, j'adore Giorgio Armani, j'adore cette marque de Givenchy, c'est magnifique. Celui-là aussi, je l'ai à la maison. Mais ça fait rien, je les garderai tous les deux. Parce que je les trouve trop, trop, trop mignons. En fait, en haut, vous avez des petits fards. Bon, moi, je l'avais acheté pour la déco. Hein, et je vais faire pareil pour ça parce que je trouve ça trop joli. Je m'en suis jamais servi. Mais c'est très mignon. Vous avez ici de la poudre. Un petit blush qui est assez léger, discret. Bref. Ça a accroché. Et donc, vous avez le petit blush qui se trouve là. Et puis là, vous avez l'applicateur. Et vous avez des petits applicateurs qui sont juste là. Mais bon, ça, c'est des choses dont je ne me sors pas non plus. C'est mon mari encore. Voilà. Donc, super. Merci, 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 merci. Et un avant-dernier produit de Yves Saint Laurent. C'est des ombres à paupières. Donc, une petite palette qui est comme ça, d'Yves Saint Laurent. Et bon, et ça, c'est des couleurs que j'adore tout de suite. Je me suis fait un maquillage dans ces tons-là, avec ce rouge-là, dans la palette d'Elsa Makeup, et j'adore. Trop beau. J'aime beaucoup. Très jolie palette. Donc, je vais faire plein de tutos avec. Hein. Alors là, je vais m'éclater. Voilà, ça, c'est la palette Pure Chromate. Je vous montre comme ça. Je sais pas si c'est pas mieux. Voilà, je sais même plus, je sais pas si elle est encore disponible. Hein. Mais elle est très 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 jolie. J'aime beaucoup les fards. Elles sont très jolies. Très très beaux. Merci, si. Elle est très belle cette palette. J'aime beaucoup. Voilà. Et puis un dernier rouge à lèvres de Guerlain. J'adore Guerlain. Je trouve leur rouge à lèvres. Très joli, j'aime beaucoup le packaging, c'est très beau, et en plus, oula, regardez la couleur, magnifique. Pour l'été, là, ça c'est pareil, ça va être trop trop beau. Ils sont très pigmentés, et ils sont hyper hydratants, ils sont un peu glowy, vous voyez, très joli. 361, exclusif rose, 361. Voilà, voilà, bah écoutez, j'en ai partout, j'en ai vraiment partout. Je suis super contente pour ce petit colis, ce gros colis, tout me plaît en fait. Je suis contente de pouvoir tester tout ça. Les produits de Make-up Révolution, je ne les ai jamais testés. J'attendais quand même qu'elle ait fait sa vidéo pour pouvoir passer une commande. Parce que j'ai dit, la pauvre, si j'achète encore quelque chose qu'elle veut m'envoyer. Et puis là, bon, tout est nickel, c'est parfait. J'aime beaucoup les produits de l'eau. Oh, merci, ça sent trop, trop bon. Les vernis, tout est beau. Merci beaucoup, Sissi. Je suis très contente d'avoir fait ce swap avec toi. Tu m'as bien gâtée. Je te fais plein de bisous et je te remercie encore pour toutes ces belles choses. J'espère que cette vidéo partage vous aura plu à tout le monde. Hein. Et je vous fais plein de bisous et puis moi, je vais ranger tout ça. Gros bisous à tous et à bientôt. Bisous, ciao.